Bonjour chers spectateurs, investisseurs, partenaires et tous ceux qui regardent cette vidéo. Nous ne sommes pas revus sur le chantier depuis très longtemps. Vous avez probablement déjà trop fatigué de tous ces travaux de terrassement, mais nous allons tout de même en parler. Vous pouvez voir que juste en face de moi, sur le côté droit, se trouve un chemin temporaire ainsi qu'un point de lavage supplémentaire, des coffres pour les tuyaux, des conteneurs et du sable. Là, vous voyez une fosse qui a été creusée pour pouvoir connecter le système d'approvisionnement en eau. Derrière mon dos, des travaux d'excavation sont en cours. Les ouvriers enlèvent la terre. Il s'agit de l'excès de terre qui est resté après la pose des systèmes de communication et de tous les autres travaux qui avaient été effectués. Les débris sont également enlevés. À présent, je vous propose d'examiner les résultats intermédiaires. Il y a une voiture qui passe devant, nous irons donc par là. Ici, vous pouvez voir un perret qui a été constitué avec des dalles de béton. Nous l'avons fait pour pouvoir décharger l'équipement parce que la livraison est effectuée de ce côté-là, car de l'autre côté, cela est actuellement impossible. Vous voyez qu'une partie du matériel est enlevée de cette zone-ci, car il commençait déjà à y avoir des encombrements. De ce côté-là aussi, il y avait des encombrements d'ailleurs. À présent, nous arrivons à l'une des principales zones. Il s'agit d'une zone vraiment très importante où nous avions de vraies montagnes de terre. Maintenant, vous pouvez constater que pendant ces derniers jours, la terre a été enlevée, la surface a été nivelée et sera bientôt remblayée avec du sable. Il ne reste plus qu'un peu de terre à enlever. Mais là, maintenant, l'eau de fonte part petit à petit parce que quand les ouvriers ont commencé à effectuer les travaux de terrassement, il y avait encore de la neige. Et ici, tout est déjà préparé pour le remblayage avec du sable et des gravats. Vous pouvez voir les bornes de mise à la terre, les ouvriers vont préparer les circuits et commencer à installer les systèmes. Nous allons connecter des fourreaux à ces tuyaux pour pouvoir installer les réseaux d'alimentation électrique selon le schéma permanent. Vous pouvez voir que pour le moment, il s'agit de câbles d'alimentation temporaires. Et ensuite, nous allons effectuer des couches de sable, de gravats et d'asphalte. Allons plus loin. Ici, vous pouvez voir notre véhicule de l'avant blindé. Bientôt, nous le déplacerons dans le bâtiment, car à l'extérieur, il nous empêche déjà d'effectuer certains travaux absolument nécessaires. Cependant, dans le bâtiment, un emplacement a spécialement été préparé pour cet engin. Vous pouvez également voir de grands anneaux et les travaux d'excavation qui sont en cours. Cela est nécessaire pour effectuer un point de raccordement pour la première connexion de l'approvisionnement en eau, car la connexion se produit des deux côtés. Le premier point est là, le deuxième est de l'autre côté, et l'électricité sera connectée dans ce bâtiment de couleur rose. Allons-y. Nous pouvons montrer cela de plus près. Ces trous rectangulaires sont des déversoirs d'orage et c'est jusqu'à ce niveau que nous devrons enlever la terre. Cela devient évident de constater combien de terre il faudra enlever. Ce travail est très lourd mais très important. À présent, vous pouvez voir le paysage qui s'ouvre devant nous. L'aménagement vertical est en cours. La terre est nivelée jusqu'à une certaine marque. Tout l'excès de terre est enlevé et la semaine prochaine, nous allons effectuer une couche de sable, puis une couche graveleuse. À mesure que l'excès de terre sera enlevé, une excavatrice démantèlera le chemin temporaire.
Malheureusement, beaucoup de dalles ont été cassées lors de ces travaux, mais on ne peut rien y faire, c'est de la machinerie lourde. Ce tas de débris sera également bientôt enlevé. Et ensuite, nous allons commencer la préparation pour la pose de l'asphalte. Par conséquent, félicitations à tous pour le début de ces travaux. Si auparavant nous avions dit que ces travaux ne faisaient que commencer, nous voyons maintenant que leur réalisation est en cours à grande échelle. Il y a beaucoup de travail. Trois excavatrices travaillent constamment et des camions qui transportent la terre. Nous devons enlever du chantier 500 camions de terre, soit 12 000 mètres cubes de terre. C'est énorme. Mais cela est nécessaire. Allons de l'autre côté du bâtiment et voyons ce qui se passe là-bas. Après tout ce désordre qui règne autour du bâtiment, où tout est creusé, quand les invités entrent dans le bâtiment et voient la propreté à l'intérieur, ils sont vraiment impressionnés, parce que le bâtiment est clair et propre. Nous faisons attention à cela. Dans les locaux du laboratoire, les gens mettent même des housses de chaussures, car il y a un ordre parfait. Et des travaux de base y ont déjà été terminés. À présent, nous allons à gauche, par là. Nous pouvons voir que dans ce secteur, les travaux d'installation des ascenseurs sont terminés. À noter que la capacité de charge de ces ascenseurs est égale à 2,5 tonnes. Vous pouvez voir le personnel de nettoyage qui travaille et nettoie un certain nombre de pièces. Allons-y pour voir les travaux de mise au point des lignes de production. Nous avons soudainement rencontré un obstacle, car la batterie d'un des contrôleurs de la machine à brocher ne fonctionnait pas. À présent, nous prenons des mesures pour ne pas avoir à changer ce contrôleur. On essaie de le réparer. Si l'on ne réussit pas à le faire, la batterie sera soudée à nouveau. J'espère que nous aurons le temps de résoudre ce problème, car en juin, nous devons déjà mettre en service cette ligne de production pour pouvoir lancer le premier lot de moteurs. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'équipements pour pouvoir fabriquer différents types de moteurs. Bientôt, il y aura une étagère où tout sera soigneusement rangé pour ne pas avoir ce grand désordre. Ici, nous avons des locaux assez propres où nos ingénieurs continuent à travailler sur le développement et la fabrication de machines tournantes. Et maintenant, nous pouvons voir des roues moteurs pour une moto à 8 trous, comme on l'appelle ici. Vous pouvez voir qu'il ne s'agit plus des mêmes roues moteurs qu'ils ne l'étaient auparavant, mais des conceptions complètement différentes et plus sérieuses. À présent, je vais mettre mon casque et nous irons voir un autre secteur où les travaux de mise au point sont en cours. Ici, on voit que les machines n'ont pas encore été mises en service et qu'elles sont propres. À noter que l'ordre est très bien surveillé dans ces locaux. Nous avions un travail à faire d'urgence et nous avons utilisé une machine qui n'est pas de série.
Ici, vous pouvez voir de l'équipement sportif. Tous nos employés doivent obligatoirement consacrer un certain temps au sport, surtout aux charges cardio. Car sinon, la capacité de travail sera réduite. Allons plus loin. Si nous regardons dans le laboratoire, nous verrons un monde complètement différent. Les sols brillent, tout est propre, il y a des casiers, de l'électricité, des postes de travail aménagés. Ce n'était pas le cas auparavant. Les travaux sont en cours ici et l'ordre est surveillé de très près. Et voici le cœur du laboratoire. Vous pouvez voir à quoi il ressemble. À présent, il y a beaucoup de moteurs qui sont testés. Nous pouvons passer par là et voir un moteur qui se trouve sur le banc d'essai en mode test. Pourquoi les testons-nous? Au fil du temps, je vais vous le dire et ce sera intéressant. Mais c'est un sujet à part et nous en parlerons spécialement. Par conséquent, si vous regardez d'ici, les locaux sont encore assez spacieux, mais ce sera bientôt beaucoup plus équipé. Ici, vous voyez une plateforme pour les roues moteurs. À présent, les ingénieurs assemblent ces roues moteurs qu'ils mettront d'abord sur les bancs d'essai. Et puis là, dans leurs emplacements standards. Voici la plateforme qui a déjà été préparée et que l'on peut tester. Là, vous voyez des ébauches de roues moteurs ainsi que le métal pour les fabriquer. Ici, nous avons des pièces qui ont déjà été assemblées, ainsi que des freins pour nos roues moteurs. Le travail est en cours et je ne le dis pas seulement pour satisfaire la curiosité des investisseurs. Absolument pas. Maintenant, faites attention à l'atelier principal. Récemment, il a été encombré avec des cartons du matériel. À ce jour, tout le matériel a été installé et cette zone a été libérée pour pouvoir y entreposer de nouveaux équipements supplémentaires. Pour ce faire, les ouvriers ont enlevé tout l'emballage. Il y a de petits travaux à terminer. Mais très bientôt, nous allons commencer à y apporter de l'équipement. Qu'est-ce que je pourrais noter d'autre? Là, nous avons aménagé une pièce où les spécialistes chargés de courant faible se sont installés. Ils sont engagés dans la pose de réseaux électriques dans les chemins de câbles. Je vais vous montrer une autre chose. Voilà, vous pouvez voir de vos propres yeux tous ceux dont nous avons parlé. Entrez et regardez cet escalier. Ici, il reste à nettoyer le sol avec un aspirateur et à mettre des rampes, l'éclairage et les portes. Et là, nous allons installer les chambranles.
Voilà les travaux que nous avons déjà effectués. Allons-y. Des travaux sont également en cours sur d'autres sites. Nous ne sortirons pas par ici, car ce sera un peu compliqué pour notre caméraman avec son équipement. On va plutôt par là. Vous pouvez voir qu'il reste de moins en moins d'équipements entreposés, car il est progressivement monté et installé aux endroits prévus à cet effet. Ici, nous avons un secteur avec des machines universelles générales qui a été aménagé pour ne pas dépenser d'argent en vain. Cet équipement ne sera pas trop souvent utilisé pour fabriquer les prototypes. Par conséquent, nous avons décidé de choisir des machines soviétiques. Elles sont en bon état de fonctionnement d'ailleurs. Évidemment, elles ne sont pas conçues pour des volumes élevés, mais plutôt pour fabriquer des prototypes uniques et de l'outillage. Ici, nous avons déjà installé tout l'équipement et tous les meubles nécessaires. Là, nous avons un secteur avec des imprimantes 3D. Il est fermé et les imprimantes y fonctionnent, notamment une imprimante photopolymère et une autre qui est thermique. Là se trouve le secteur de fonderie qui est également fermé pour le moment. À présent, nous nous approchons d'un site intéressant et voilà ce que nous pouvons voir là-bas. Il s'agit d'un nœud de système de viabilisation complexe, notamment l'intersection de tous les réseaux, les égouts pluviaux et d'eau usée, l'approvisionnement en eau et le système de chauffage. Et voici la chambre de connexion du chauffage. Il y aura des branchements, des vannes et une chambre de captage du système d'approvisionnement en eau. À ce jour, tous les tuyaux ont déjà été soudés et la terre a été enlevée pour pouvoir commencer les travaux d'aménagement. Tout cela sera recouvert de terre. Une couche protectrice a été effectuée, nous attendons la livraison du béton qui sera coulé et ensuite nous allons installer l'imperméabilisation, fermer les coffres de tuyaux et nous serons déjà presque sur la ligne d'arrivée de nos travaux. À présent, le passage pour le camion à béton est effectué. Tout est très serré ici sur le site, mais vous pouvez déjà voir les résultats des travaux de viabilisation qui ont été effectués. Les travaux sont déjà en cours au bout du chantier, là où il y avait un portail. Et nous allons y connecter les systèmes de viabilisation, effectuer des perforations et creuser des tranchées. En outre, le jour où nous tournons cette vidéo, nous attendons la livraison de l'équipement. Je peux constater que pendant ces derniers jours, des travaux intenses étaient en cours. Ici, nous pouvons voir les travaux sur la pose de câbles électriques. Notez surtout que le site est assez propre. Tout le monde est surpris que malgré la boue à l'extérieur, à l'intérieur, nous gardons tout en ordre et en propreté. Ici, les spécialistes ont monté deux ascenseurs et ont même déjà mis les boutons d'appel temporaires de l'ascenseur. Vous pouvez également voir les travaux de finition des puits d'escalier. En haut, nous avons installé des échafaudages et les ouvriers y installent des cadres pour des panneaux en verre, car ils seront installés là-bas. Ici, nous allons aménager une salle de contrôle.
Nous pouvons voir que les réseaux d'alimentation électrique ont déjà été posés sur les chemins de câbles. Les fils pendent du plafond et sortent des murs, ce qui signifie que le câblage a été effectué. Que se passe-t-il de ce côté du bâtiment? Vous pouvez y voir beaucoup de matériel qui est entreposé dans cette zone. Il en est de même de ce côté-là. C'est pour ça qu'on va passer de l'autre côté. Et voyons à quoi ça ressemble. Ces cabanes seront bientôt enlevées de cet endroit où se trouve actuellement le village de chantier. Voici les vannes qui seront installées. Voilà les bouches d'incendie qui seront également installées dans les chambres de captage. Tout cela est déjà préparé. Tout le matériel nécessaire a été acheté et livré sur le chantier. Les anneaux des puits ont été rendus étanches. Il en reste un peu à faire. Si nous regardons ce portail où il y avait un point de contrôle, nous pouvons voir que tous les travaux y ont été achevés. À cet endroit, des plaques d'égout ont déjà été installées, des puits ont été préparés pour connecter les systèmes d'approvisionnement en eau, d'égouts pluviaux et d'eau usée. Tout est déjà installé. Les réseaux de chauffage seront bientôt installés jusqu'à cette cheville orange. Quand ce sera fait, nous pourrons procéder à la connexion de ces systèmes. Pour pouvoir connecter l'approvisionnement en eau, nous avons déjà fait des systèmes de couverture spéciale. Vous pouvez voir des tuyaux de grand diamètre que nous allons recouvrir de terre. Là, nous avons également aménagé un autre point de lavage. En fait, où que vous regardiez, partout vous voyez du matériel qui sera bientôt utilisé pour effectuer des travaux. Voilà ce qui s'est passé depuis notre dernière rencontre. Nous pouvons bien sûr vous montrer l'emplacement extérieur au terrain du BTOI qui avait été dégradé lors de l'installation du système de chauffage pour que vous puissiez voir que tout a été remis en état, asphalté et aménagé. Nous ne laissons jamais des endroits sales ou dégradés après avoir terminé nos travaux. Nous remettons tout en état et le rendons même plus beau qu'avant. Nous y avons planté de nouveaux arbres. Nous avons également semé du gazon qui a déjà poussé. Par conséquent, nous avons bel et bien fait la réfection de la pelouse qui avait été dégradée. Voilà ce qui se passe sur le chantier Sevelmash, chers collègues. L'intensité des travaux est très grande. J'ai fait des calculs et j'ai trouvé que chaque jour, le chantier dépense jusqu'à 4 millions de roubles. Mais Dieu merci, nous arrivons aux dernières étapes des travaux de viabilisation et la semaine prochaine, nous devrons déjà effectuer le premier raccordement du système d'approvisionnement en eau par ici et le deuxième raccordement sera effectué par là. Ensuite, nous allons connecter les systèmes d'eau usée. À noter que c'est ici qu'il y aura un trou pour le forage horizontal, parce que nous devrons y installer la connexion aux égouts pluviaux. Suivez nos nouvelles et prenez soin de vous-même. Faites confiance à vous-même et à vos sentiments. À notre époque difficile, nous devons prendre soin les uns des autres et aussi de nos proches. Bonne chance et à bientôt.